وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. في الله تبارك وتعالى après avoir cité tous ces peuples et tous ces gens en exemple et de quand ils ont transgressé, voilà ce qui leur est arrivé comme châtiment, il parle de la nature de l'être humain. Comment l'être humain il est, comment il pense et comment il devrait être. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant, c'est-à-dire en lui ouvrant des largesses de ce monde et en le comblant de bienfaits, il dit mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a avili. Et Allah Ta'ala dit mais non, oh que non. Il faut changer cette manière de réfléchir, ce n'est pas comme ça. Et subhanallah, aujourd'hui on voit même les musulmans penser comme ça. Ils mesurent le bienfait d'Allah sur une personne par le matériel. Jusqu'au point où certains, ils ont été trompés, ils ont dit comment ça se fait, les koufars, ils ont plus de choses que nous. Leurs pays sont verdoyants, stables, nos pays ne sont pas stables. Il y a de la pluie, il y a plus d'organisation, il y a je ne sais quoi. Et ils se sont trompés eux-mêmes, car ces gens-là, malheureusement, ils connaissent que très peu de la religion et leur croyance en est même malheureusement altérée. Allah tabaraka wa ta'ala, aux gens de dunya, les kuffars, quand ils font des bonnes actions, Allah leur donne dans ce monde. Même si chez Allah, il n'est pas accepté cette action comme une adoration. Par exemple, s'il est gentil avec une personne, s'il fait un bien, Allah n'est pas injuste. Allah va le récompenser, mais dans ce monde. Comme ça, dans l'au-delà, il n'aura rien à récupérer. Il récupérera le châtiment directement. Amma al-Muslim, le musulman, quand il fait des bonnes actions, quand il fait un bien, Allah garde sa récompense dans l'au-delà. Il lui fructifie et il lui donne dans ce monde une baraka, un peu de bénédiction qui lui facilite un petit peu de vivre ici, mais il n'a pas sa récompense dans ce monde. D'ailleurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient très bien compris cela. Et même les salafs, les tabi'in, avaient très très bien compris cela. Certains, quand ils voyaient qu'ils avaient trop de largesse dans ce monde, ils lui disaient, de toute façon, t'as un sac de bienfaits. Tu l'as épuisé ici, t'auras moins dans l'au-delà. Pour eux, t'as pris dans le sac. T'as un sac, t'as les bienfaits. Ou tu laisses dans l'au-delà, ou tu épuises ici. T'épuises ici, t'en auras moins dans l'au-delà. Ils avaient très bien compris ça. Jusqu'au point où Omar ibn al-Khattab a rencontré son fils qui allait au marché. Il l'a arrêté, il lui dit, tu vas où? Il a dit, je vais au marché. Il dit pourquoi? Il dit je vais acheter de la viande. Il dit pourquoi? Il dit on a eu envie de viande. Il dit ah pourquoi vous achetez tout ce que vous avez envie? Après il lui a récité des versets terribles. Vous avez épuisé vos bienfaits dans ce bas monde. T'as épuisé, il t'en restera moins dans l'au-delà. Omar ibn al-Khattab, à son époque, l'islam s'est répandu, les richesses sont venues. Il avait un kamis rapiécé. Il mangeait une nourriture, même les sahabas, ils n'arrivaient pas à manger sa nourriture. Immangeable. Ils sont venus, ils ont tout essayé avec lui. T'es le prince des croyants, tu représentes les musulmans. Les gens autour de toi, ils n'arrivent pas à manger, ils suivent ton rythme, ils n'arrivent pas à manger ta nourriture. C'est pas possible. Ils lui ont envoyé tout le monde. Tout le monde avait peur de lui, mais pas parce qu'il était injuste. Pour l'aura qu'il dégageait. Pour le respect qu'ils avaient pour lui. D'ailleurs, une fois, il a juste levé la main. Ils ont tous fait comme ça, ils sont tous protégés. Ils ont dit, il a eu peur, il a dit, je suis injuste, vous avez peur de moi. Ils ont dit, non, tu n'es pas injuste, c'est l'heiba, c'est l'aura que tu dégages. Il a dit, ah bah alhamdoulilah, alors, si c'est ça, alhamdoulilah. Juste, il a levé la main, ils ont tous cru qu'il allait se prendre un coup. Ils sont tous protégés. Et il a eu peur d'être injuste, il a dit, je suis injuste, vous avez peur de mon injustice. Je suis quelqu'un de valide, mais ils ont dit, non, t'es pas injuste. Donc il a dit, alhamdoulilah. Dans ce cas-là, si c'est pas l'injustice, alhamdoulilah. Ils ont tout essayé avec lui. Ils ont tout essayé. À la fin, ils ont dit, les seuls qui pourront lui parler, c'est les mères des croyants. Les mères des croyants, c'est les mères de tous les croyants. C'est comme ta mère, elle vient te parler. Est-ce que tu vas faire comment pour... Ils ont dit, on va lui envoyer les mères des croyants, les femmes du prophète, alayhissalam. C'est les seuls qui vont pouvoir peut-être lui parler. Nous, on a trop peur. Ils ont été parler aux mères des croyants, ils lui ont envoyé. Ils ont envoyé Aïcha, radiallahu anha. Aïcha, quand elle a parlé, Omar radiallahu anhu lui a dit, Ya Aïcha, Ya Umm al-Mu'minin, ô mère des croyants,
Tu te souviens pas que pendant 2 mois, dans ta maison, il n'y avait pas le feu qui s'allumait? Vous mangez que des dattes et de l'eau avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a parlé jusqu'à qu'il l'a fait pleurer, jusqu'à qu'elle soit partie. Après, il lui a envoyé sa fille, Hafsa. Elle est venue lui parler. Elle a dit, mon père, les gens, ils n'arrivent plus à supporter ta vie. Ils ne supportent pas ton rythme. Les gens, ils n'arrivent pas à manger avec toi. Ils lui ont dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne me dévirez pas d'un poil de comment étaient mes deux compagnons. Il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr al-Siddiq. Je resterai exactement comme ils étaient. Vous pouvez tous me parler, je ne bouge pas d'un poil. Après, il lui a dit, toi Hafsa, c'est qui Hafsa par rapport à Omar? Sa fille, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne te souviens pas, une fois je suis rentré chez toi, et j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur une natte, un matelas en natte, en osier. Et il était torse nu, et la natte avait laissé des marques sur le côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pleuré. J'ai dit, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur homme. Il dort sur une natte comme ça, comme un esclave. Alors que les rois de Perse et des Romains, ils dorment sur des lits, ils ont des gens à leur service. Il a pleuré, il a dit au messager d'Allah. Les rois, ils dorment sur des lits. Toi, tu dors sur une natte comme ça jusqu'au... C'est tellement peu confortable que ça a laissé des traces sur ton côté. Que lui a-t-il répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, tu préfères que eux, ils aient l'au-delà et nous, on ait ce bas-monde? Il lui a dit, qu'en ai-je à faire de ce bas-monde, ya Omar? Je ne suis dans ce bas-monde que comme un cavalier qui s'est allongé à l'ombre d'un arbre et il est reparti. Il s'est levé pour repartir. Il a rappelé ça à sa fille Hafsa. Tu te souviens? Maintenant, tu veux me faire changer? Allez, Lucie, elle est repartie en pleurant. Il est resté comme il était. Radiallahu anhu. Il faisait des tournées, il allait chez les compagnons un par un. Dès qu'il trouvait que quelqu'un avait un petit peu de confort, il le frappait. Il prenait toutes ses affaires, il les mettait en boule au milieu de la maison et dit, c'est comme ça qu'on vous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les frappait jusqu'à qu'ils comprennent. Et eux, ils disaient, mais nous, ce qu'on fait, c'est halal, on fait rien de... Même, c'était même pas du luxe, c'est un peu de largesse. Mais il a dit, vous êtes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens prennent exemple sur vous. Si vous avez, un peu de largesse, les gens ils vont prendre beaucoup de largesse. Je veux pas que vous déviez d'un poil. Il était dur avec eux. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens allaient les prendre comme exemple. Il savait que les gens allaient le prendre en exemple. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au Cham. Chez Abi Darda. Les autres, ils ont tous trouvé des cadenas. Il fallait demander la permission pour entrer. Ah, depuis quand? Il dit. Ah, il a dit, t'es devenu riche maintenant. On doit demander la permission pour entrer. Il les frappait. Jusqu'à qu'il rentre dans la maison d'Abi Darda. Pas de cadenas. Tu rentres, il a dit, assalamu alaikum, entre. Il n'a pas demandé c'est qui. Il arrive, il n'y a pas de lumière. Omar, il a mis les mains par terre jusqu'à trouver où aller. Et au Sham, en Syrie, il faisait froid par rapport à la Mecque. Il arrive, il touche Abu Darda. Il avait un kamis tout léger. Il lui dit, je ne te donne pas assez de revenus pour que tu t'habilles avec un kamis plus épais. Omar, il donnait des revenus à tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'argent, de la trésorerie des musulmans. Il donnait à tous les compagnons. Selon leur mérite. Les gens de Badr, ils avaient un revenu, les autres, ils avaient un autre revenu. Et Abu Darda, il lui a dit quoi? Il lui a dit, non, mais c'est suffisant. Après, ils ont commencé à se rappeler comment c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la nuit, et ils ont pleuré toute la nuit. Tu te rappelles comment on était, comment Allah, maintenant, il nous a ouvert le dunya. Donc voilà, l'être humain, ça, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes. Il mettait une pierre, deux pierres, sur son ventre pour retenir la faim, pour combler l'estomac du vide. Le meilleur des hommes. Il n'avait pas allumé le feu dans sa maison 2 mois. Il n'a jamais vu de ses yeux du pain blanc. À l'époque, le pain blanc, c'est du pain luxueux. Il mangeait que du pain d'orge. Jusqu'au point, les compagnons, jamais ils ont vu du pain blanc. Ils entendaient des fables sur le pain blanc. Si t'en manges, tes bras, ils grossissent. Jusqu'à une époque, il en a mangé, il a regardé ses bras tout de suite. Il a cru qu'ils vont grossir tout de suite. Tellement ils n'avaient pas. C'est pour montrer comment ils vivaient. C'était les meilleurs des gens, les gens les plus aimés chez Allah. Regardez comment ils vivaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas la pauvreté que j'ai peur pour ma communauté, que j'ai peur pour vous. Mais j'ai peur que les portes de ce bas-monde, elles vous soient ouvertes en grand. Et vous allez commencer à vous concurrencer pour ce bas-monde. Comme les gens avant vous, ils se sont concurrencés pour ce bas-monde. Et elle va vous faire périr comme elle a fait périr les gens avant vous. Donc Allah Ta'ala ici, il rappelle à l'être humain. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Alors que l'être humain, quand son Seigneur, il l'éprouve et il l'honore,
Et il lui donne de ses largesses, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais Allah l'a éprouvé. C'est une épreuve, les richesses. T'es autant éprouvé quand t'es riche, peut-être même plus que quand tu es pauvre. Parce que quand tu es riche, il faut maintenant être reconnaissant. Il faut que cet argent, tu reconnaisses dedans un droit pour Allah subhanahu wa ta'ala, le droit pour les proches, le droit pour les pauvres, que tu l'utilises d'une bonne manière, pour ne pas avoir à rendre des comptes dessus sur la manière dont tu l'as utilisé, ou bien si tu l'as gaspillé. C'est une épreuve qui n'est pas moindre que l'épreuve de la pauvreté. Les riches rentreront 500 ans après les pauvres au paradis, car le temps que leurs comptes y soient faits, ils ont plus de choses à demander des comptes par rapport aux pauvres. Les pauvres, ils n'ont rien. Ne croyez pas que la richesse, c'est un bienfait en soi. Oui, l'argent dans les mains d'un homme pieux, d'accord. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait des grosses richesses le matin, il n'avait plus rien. Oui, d'accord. Comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils recevaient des grosses richesses et le matin, ils devaient emprunter un dirham pour acheter du pain. Parce que tout ça, ils l'avaient dépensé fi sabilillah déjà. Oui, pour des gens comme ça, les richesses, c'est un bien. Mais nous, maintenant qu'on vit dans le luxe, wallah, et on manque de quoi? De rien. On vit comme des rois. On mange des choses que les peuples ils n'ont jamais connues, ils n'ont jamais vues de leurs yeux. Ils n'ont jamais imaginé. Maintenant, les gens, ils pleurent parce qu'ils ne peuvent pas acheter un téléphone dernière technologie à 900 euros. C'est ça aujourd'hui là, le pauvre. Et encore, hein, même le pauvre, il l'a ce téléphone. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, les richesses elles sont répandues partout. Et on se plaint encore. On se plaint de quoi? Est-ce qu'on a été reconnaissant envers Allah déjà du beaucoup qu'on a reçu? Est-ce qu'on l'a utilisé comme Allah aime? Combien de gaspillages on fait? Combien de gaspillages? Je ne parle pas alors de l'utilisation de l'argent dans le haram. Tout ça, ikhwa, c'est un test, une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel on va rendre des comptes. Les gens ne passeront pas le jour du jugement dernier avant d'être questionnés sur quatre, parmi les quatre, de son argent, de ses biens, d'où il les a acquis, où il les a dépensés. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent, c'est les biens d'Allah. Allah, il t'a mis la lieutenance sur cet argent. Il t'en a donné la responsabilité pour voir ce que tu vas en faire, comment tu vas l'utiliser. Donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala reprend l'être humain. Cette manière de réfléchir qu'il a, qui est mauvaise. Qui croit que quand il a des choses matérielles, c'est un signe de bien. C'est un signe qu'Allah l'aime. C'est un signe que cette chose, elle va perdurer. Non. C'est une épreuve. Et qu'Allah donne à une personne, ce n'est pas une preuve de son amour. Allah, ce bas monde, il le donne à celui qui l'aime et à celui qui déteste. Alors que la religion, Allah ne la donne que à celui qui l'aime. At-tawfiq, la permission pour faire le bien, Allah ne le donne que à celui qui l'aime. Amma, ce bas monde, il le donne à tout le monde. Au kafir, au fajir, au salih, à tout le monde. Tout le monde selon la part, selon comment Allah il a voulu par sa sagesse l'éprouver. Chacun comment. Parfois justement c'est leur châtiment. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant des koufars, que c'est leur bien et leurs enfants ne t'étonnent pas. Allah ne veut par cela que les châtier dans ce bas monde avec cela et que leur âme soit retirée alors qu'ils sont mécréants. C'est les gens qui parlent comme ça, c'est les derniers des imbéciles. Ils ne connaissent rien à la foi ou à la raison. S'ils croient mesurer le bien-être de quelqu'un, ou la personne elle a réussi ou non, par les choses matérielles. Quant à l'homme, lorsque mon Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Non, c'est pareil. Allah tabaraka wa ta'ala, s'il t'éprouve en restreignant ta subsistance, c'est pas parce qu'il t'a avili. C'est une épreuve. Comme la première, c'est une épreuve. Ici, c'est une épreuve. C'est pour ça, Allah tabaraka wa ta'ala dit après cela, certes non. Cette manière de réfléchir, elle est fausse. Les deux sont une épreuve. Est-ce que tu vas être reconnaissant et est-ce que tu vas être patient? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti dehors et a rencontré Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qui les a sortis? La faim. C'est-à-dire, tellement ils avaient faim, ils sont sortis. Il les a emmenés chez un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a accueillis, etc. Il les a accueillis, ils ont bu de l'eau fraîche, des dattes fraîches, et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, de l'eau fraîche, de l'ombre fraîche, des dattes fraîches, wallah, ceci fait partie des bienfaits sur lesquels Allah va vous demander des comptes.
Imaginez-vous, ils sont sortis parce qu'ils avaient faim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit ça. Donc, dans les deux cas, que ce soit quand les richesses elles sont abondantes ou quand elles sont restreintes, c'est une épreuve d'Allah. Quand elles sont abondantes, remercie Allah, sois reconnaissant, utilise-le dans le bien. Dans ce qu'Allah aime, donne déjà ce qui est obligatoire, ta zakat, donne aux proches, aide les proches, les nécessiteux, les orphelins.